Alors bonjour, aujourd'hui on va parler des quêtes de guildes. Vous allez voir, elles sont assez difficiles à obtenir et je vais vous donner quelques petits tuyaux pour y arriver facilement. Et vous allez voir la récompense. Et vous allez voir la récompense que l'on obtient lorsqu'on a tout fini. Allez, en images, on regarde ça tout de suite. Alors, on avait parlé donc de ces quêtes de guildes qui sont relativement difficiles à obtenir. On va faire le point tout de suite sur ce qu'il en est. Vous remarquerez au passage, et là donc je vous le montre, je suis enfin 44. Voilà, je suis à 6% exactement, c'est vraiment très précis. On aurait pu croire que je l'ai fait exprès. Très important pour le berserk puisque j'y suis, c'est les dégâts accrus et de travailler avec la bénédiction brave puisque c'est elle qui va vous procurer d'énormes dégâts. Il suffit d'avoir un bon healer derrière pour taper comme un sourd et ne plus sortir du boss. Petite parenthèse. Alors maintenant, on va regarder ces fameuses quêtes de guildes. Alors tout simplement, il faut aller dans donc la guilde et cliquer sur les épreuves de guilde. Vous allez voir que, il y a pas mal d'épreuves, il y en a 35 en tout, et les dernières sont compliquées parce qu'il faut toutes les réaliser de façon très rapprochée. Je vous explique pourquoi. Après avoir obtenu 10 membres, puis 30 membres et 50 membres, c'est maintenant que vous allez réussir à avoir vos 10 templiers connectés en même temps. Vous allez également avoir les 10 berserkers connectés en même temps. Donc il faut, au travers du Discord, et je vous donnerai mon Discord puisque donc certains me l'ont demandé, je vous donnerai mon Discord pour que vous puissiez rejoindre ma guide. Et à ce moment-là, ben, on pourra discuter également de vive voix, ce qui est à peu près sympa. On a également l'obligation de se connecter avec 10 rangers, également 10 mages, vous l'aurez compris, et bien sûr les 10 prêtres pour finaliser cette quête. Mais ce n'est pas tout. Eh oui, ça serait trop facile. Il faut aussi être généreux dans cette guilde, puisque, et là je vous montre donc les avantages de guilde, il faut donc avoir tous les paramètres, donc ce qui vous permet déjà de débloquer des chevaux de guerre noire et le blanc. Mais le dernier, c'est celui-ci. Il faut faire des dons de guilde réguliers, que tout le monde participe à cet effort pour donc avoir 500 000 en poche, plus les fameuses 5 quêtes que je vous ai montrées, donc les 10 connectés, berserk, prêtre, mage, rangers et templiers. Et enfin, vous avez validé la quête pour obtenir la dernière monture du jeu. Et bien sûr, vous voulez la voir, alors je vous la montre tout de suite. La monture ici, elle est là. Et vous allez voir qu'elle est assez sympathique. Regardez, je la charge ici. Et là, je la sors. Regardez, la super monture. Magnifique. Bon, moi je suis moche, on est d'accord. On est d'accord, mais c'est volontaire. Et c'est pas fini, je compte mettre encore un peu de couleur, ne serait-ce que pour finir la quête des teintures. Voilà. Au galop, ça donne ça. Il a la classe à Dallas. Voilà. Il peut sauter, bien sûr, hein, comme les autres. Et il a 3 fers en bas. Vous le voyez, vous avez 3 fers. Donc vous pouvez aisément traverser les cartes. Et voilà, donc c'est la petite satisfaction d'avoir fini les quêtes de guilde. Voilà, donc 35 sur 35, je vous ai montré ce que ça faisait. J'espère que ça vous a plu. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer bien sûr les futures nouveautés que nous allons attendre début août. Allez, à très bientôt. Au revoir.